et nous sommes sûrs qu'elle s'arrêtera selon la volonté d'Allah. Et je vais quand même vous sortir, vous dire quelque chose avant de vous quitter sur le noble Coran, le Saint Coran. Vous aviez pendant la guerre en 1915 un professeur qui connaissait la Syrie, c'est-à-dire non pas la Syrie actuelle, mais la Syrie en un seul mot, c'est-à-dire la Mésopotamie, et connaissait bien les langues assyriennes, etc. C'était le professeur Delitzsch, qui a écrit dans un livre de poche en 1915, il devait mourir 2 ou 3 ans après, Le monde de l'islam, Die Welt des Islam. Et à un moment donné, il cite Goethe sur le Coran. Je voudrais terminer là-dessus. Goethe dit, dans un livre qui s'appelle le divan signifie le recueil de poèmes, divan occidental oriental de 1819, il dit, je vais te réitérer là-dessus, que le Coran est efficace, ça veut dire efficace, wirksam, für ewige Zeiten, pour les temps éternels, c'est-à-dire qu'il est valable en tous les temps. En fait, il a existé en tous les temps, voyez-vous. Cela est très important, c'est sur cette parole élevée, disons, qui doit être conforme au moi, bien sûr, le mien et le vôtre, hein, que je termine, disons, et j'accueille évidemment avec grand plaisir toutes vos questions, quelles qu'elles soient, que je termine donc cette exposition sur la décrépitude du moi.